Le décor représente une petite place d'un village de Provence. Voici arriver le personnage principal. C'est l'innocent du village. Enfin, l'innocent. Sur le seuil de la gendarmerie, le gendarme arrêta l'innocent. « Je suis innocent !» dit l'innocent. « Ouais, je sais !» répliqua le gendarme. « Je t'arrête par plaisanterie pour te dire bonjour !» L'air apeuré de l'innocent égaya le gendarme. « Si l'on en croit, monsieur le curé, le royaume des cieux t'appartient !» L'innocent répondit. « Le printemps vient. » Les filles vont fleurir, les fleurs vont ouvrir les yeux. Le gendarme conclut, ça va pas mieux. Ça ira mieux, dit l'innocent. J'ai mal là. Et de la main, il désignait son cœur. Un arbre va fleurir dans mon cœur. C'est un lilas. Il faut que je vive pour le voir en fleurs. J'en donnerai à chacun une grappe fleurie, et tout le monde sera bien heureux. Et on pourra foutre le feu à la gendarmerie. Et voilà que le gendarme l'attrape, car il se prend injurié, et voilà l'innocent qui meurt dans ses bras, sans même avoir crié. Et tout marche comme par le passé. Monsieur le curé parle d'un monde meilleur et bénit les tombes. Le gendarme arrête les voleurs quand ils ne courent pas trop vite ou quand ils tombent. La vie, quoi.